Est-ce que tu vois ça normal pour que un partenaire ou un mari ou une femme fouille le téléphone de son partenaire? Est-ce que toi tu vois ça normal? Et notre sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que c'est normal que un partenaire fouille le téléphone de l'autre? Mais bien sûr. Continue. Aujourd'hui, c'est est-ce que c'est normal qu'un partenaire fouille le téléphone de l'autre? Mais bien sûr, comment tu peux te poser encore la réponse? Ça, c'est la réponse que tu as posée. J'ai dit que est-ce que c'est normal? Je n'ai pas. Oui. Je veux comprendre. Ok, je veux comprendre. Tu n'as pas de réponse. Est-ce que tu vois ça normal? Oui, 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 oui. C'est normal que. Moi, précisément, j'ai fouillé le téléphone de ma femme ou ma copine. Parce que l'homme est tellement très jaloux. Qui devant moi avec tes machins là-bas? L'homme est très, très jaloux. Très. Plus que la femme. Et si tu fouilles ce téléphone, tu trouves ce que tu es en train de chercher. Qu'est-ce que sera ta réaction? Là, alors, la VC est là. En fait, tu manques. Je manque horriblement. Ta présence me manque. Gratuitement. Là, c'est l'AVC une fois. C'est facile de prendre l'AVC, mais pour soigner, c'est pas facile. C'est pour ça que j'ai dit que. Est-ce que tu vois ça normal? Bon, en fait, franchement dit, c'est pas normal, mais nous prenons ce risque-là. Tu connais bien que c'est un risque et tu préfères prendre ça. Pourquoi? C'est l'amour. L'amour, tu dis. L'amour nous pousse à aller plus loin. Tu vois? N'est-ce pas? Oui. Oui, l'amour nous pousse à aller plus loin. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui sont en train de nous voir par rapport à ce sujet? Pardon? Qu'est-ce que tu peux dire aux gens comme tu n'as pas de contribution? Qu'ils sont en train de nous voir par rapport à ce sujet. Bon, en fait, ce que moi je veux quand même dire, c'est que la question posée, j'aurais souhaité à d'autres hommes de laisser le téléphone de leur partenaire. Parce que franchement, c'est dangereux. Et tu dis autre homme, donc toi-même, tu ne peux pas laisser. Oui, oui, de moi-même, je suis en train de laisser. Hein. Pardon, fiche le camp devant moi. Dégage devant moi, pardon. Franchement, je suis en train de laisser parce que ça me donne le palpitement au cœur. Oui, oui. Ok, merci beaucoup. Welcome to the new day. Parti de rien pour se faire des millions. La rue c'est comme une gêne, vous frappez pour des lions. Le gomme d'âme nous a piégés. Bienvenue sur notre plateforme Rago Jaune. Et je suis fière de vous avoir ici là. Ok. Notre question c'est que est-ce que tu vois ça normal pour que un partenaire ou un mari ou une femme fouille le téléphone de son partenaire? Est-ce que toi tu vois ça normal? Jamais, ce n'est pas normal. Pourquoi tu dis ça ou pourquoi vous dites ça? Puisqu'il y a le truc secret que l'homme peut soit peut-être gérer avec son ami, soit avoir un autre deuxième bureau dehors. Si la femme donc fouille le téléphone, tombe sur ça, le foyer est détruit. Mais tu sais que ta femme, c'est ta femme. Normalement, ta chose, c'est sa chose. Effectivement. Puis vous savez aussi qu'on ne dit même pas de boire le cagi de ton frère. Donc si c'est derrière ta femme, elle ne peut pas fouiller ton téléphone. Pourquoi tu dis ça? Mais puisque j'ai un truc secret qu'elle peut traiter. Comment tu peux garder un secret à ta femme que tu appelles que ma femme? Justement, si je suis voleur, est-ce que je peux dire à ma femme que je suis voleur? Tu dois le dire, c'est ta femme. Non, 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 c'est pas facile. Il y a les gens qui disent, mais c'est pas facile. Il y a les gens. Et pourquoi oui. Toi, tu peux pas te mettre à la place des gens là? Mais si je suis dans le fond blanc, je vais dire à ma femme que je suis dans le fond blanc. Normalement, tu peux la dire. Non, 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 c'est pas facile. Ça dépend, oui, ça dépend de la manière que tu vis avec ta femme.
Donc tu es en train de dire que ce n'est pas normal que une partenaire fouille le téléphone de l'autre? Non, ce n'est pas normal. Ok, tu as dit que parce qu'il y a des secrets. Ok, qu'est-ce que tu peux maintenant dire aux gens qui sont en train de nous voir comme un conseil ou consolation? Mais la femme ne doit pas fouiller le téléphone de l'homme. L'homme doit être strict chez lui. Mais l'homme peut quand même fouiller pour la femme. Non, ce n'est même pas bien. Ce n'est pas bien de fouiller le téléphone. Puisque par exemple, sur moi, je ne décroche pas le téléphone de ma femme. Et pourquoi? Ma femme fait aussi pareil. Et pourquoi tu ne décroches pas le téléphone de ta femme? Mais tout être humain a avoir un secret. C'est la nature des choses. Soit ta femme peut avoir sa part de secret. Ok. Finalement, qu'est-ce que tu es en train de leur dire? Hein? Qu'est-ce que tu es en train de leur dire par rapport à ce sujet? Mais que la femme ne doit pas toucher le téléphone de l'homme. Et pourquoi tu es en train de préciser que la femme... Même l'homme ne touche pas aussi le téléphone de la femme. Une partenaire fouille le téléphone de l'autre. En deux yeux, normal, c'est pas normal qu'un partenaire doit fouiller le téléphone de sa partenaire. Et pourquoi vous ne voyez pas ça normal? Si il fouille le téléphone et pas voir ce qu'il ne veut pas voir, ce serait pas bien. Bête à chacun invite. Mais tu sais que c'est ta femme, normalement vous devez partager tout. On ne doit pas se cacher rien. On ne refuse pas les questions de téléphone. Parce que, comme moi, j'ai mes clients, un client peut m'appeler, bah, la femme comprend la voix, il dit que oh, c'est la femme, mais tu essaies de l'expliquer, elle ne comprend pas. Bon, bêta, moi j'avais mis ma part que fin. C'est un menteur. Comme ma femme ne touche pas mon téléphone, elle ne touche pas son téléphone. Mais pourquoi? C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais tu sais que c'est ta femme, elle a droit de toucher. Elle a droit de toucher comment? Elle n'a pas droit de toucher à mon téléphone. Je n'ai pas aussi droit de toucher à son téléphone. Ça veut dire que tu as quelque chose que tu es en train de cacher. Et c'est ta femme. Normalement, vous devez partager tout. Non, je n'ai rien à la cacher. Je n'ai rien à la cacher. Parce que si... Ouf. Même si, parce que tu la femme, même si tu l'as dit la vérité, elle ne doit pas connaître. Même si tu la manques, elle va croire que c'est la vérité. Bon, ben, d'ailleurs, même ma part, même j'avais refusé que ma femme ne touche pas à mon téléphone. Ah, ok, c'est ta part de point de vue. Et qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui sont en train de nous voir par rapport à ce sujet? Non, le conseil que je peux donner aux gens, bon, c'est du coup de ne pas avoir un arrêt cardiaque. Chacun vit, ne pas avoir de toucher le téléphone de son partenaire. Une partenaire fouille le téléphone de l'autre. Fouille le téléphone? Oui, fouille. Pourquoi tu fouilles le téléphone de ta femme? Est-ce que toi tu vois ça normal? Parce que... Non, c'est pas normal de fouiller le téléphone de ta femme. Et ce n'est pas normal que la femme fouille le téléphone aussi de son mari? Oui, c'est pas normal que la femme doit fouiller le téléphone de son mari. Pourquoi ce n'est pas normal? Votre point. Parce qu'il peut y avoir des secrets dedans que la femme ne doit pas connaître. Les secrets comment? Tu appelles telle personne que ma femme et puis tu caches encore les secrets. Mais, comme je suis en route là, hein, je peux avoir quelqu'un que je traite avec lui. Il ne faut pas que ma femme doit connaître comment je traite avec la personne. Comment ça? Et tu appelles telle personne ta femme et puis tu caches encore les choses chez elle? Je l'appelle ma femme, elle est ma femme. Mais tout secret n'est pas trahi à la femme. Pourquoi? C'est pas bon. C'est pas bon de trahir à la femme. Parce que la femme aussi, tu dis le secret à la femme vend ça dehors. C'est ta part de point de vue. Mais est-ce que tu sais que telle personne, c'est ta femme? Normalement, tu ne dois pas rien cacher. On doit toujours cacher, madame. Continue. Pourquoi vous dites ça? On doit toujours cacher. Il n'y a pas certaines choses qu'on doit dire à la femme. Il y a les secrets qu'on doit cacher à la femme. Pas tout secret. Ok. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui sont en train de nous voir comme le conseil ou tu n'as pas de contribution par rapport à ce sujet? Par rapport à quel sujet? De cacher le secret ou bien de prononcer le secret? Oui, à la femme. C'est ça que tu vas nous dire. C'est de cacher ou c'est de prononcer? Tu vas nous dire, est-ce que c'est normal que une femme fouille le téléphone ou un homme fouille le téléphone de sa femme? Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui sont en train de nous voir comme le conseil? Je vais aller draguer la femme, je rentre à la maison, je dis à ma femme que je suis en train de draguer la femme. Ce n'est pas... Pardon,
Fiche le camp devant moi. Dégage devant moi, pardon. Qu'est-ce que tu lui dis? Je demande que ton téléphone. La même chose au téléphone. Ok. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Moi, je peux rien dire. C'est un menteur. C'est un menteur. Rien. Parce qu'il ne peut pas trahir mon secret à la femme. Il ne peut pas te draguer et pas dire à ma femme que je suis en train de draguer telle fille dehors. Donc tu es en train de dire aux autres que ce n'est pas bien pour que chacun fout le téléphone d'autres. Oui, je suis en train de bien dire que chaque personne, comme homme, comme femme, ne fouille pas le téléphone. Do you find it normal for partners to search the telephone of the other? No, it's not normal. It's not normal. It's normal for a man. Let me just be frank. A woman that put password in her phone is cheating. A man have the right to put password on his phone because he have different businesses doing apart from the woman. Why should you hide your businesses from your woman and you call that person your woman? No, they are private businesses. That woman should not know. Woman talks a lot. Maintenant vous parlez souvent, vous donnez les informations, vous croyez souvent, peut-être que nous on parle souvent pour les informations là, peut-être sous les mangiers. Is that your own opinion? Is it because of the talking part or? Yes. That's because of the talking part. But I don't see anything wrong with that. Because even if you telling her or you not telling her she's your woman, you know you need to tell her most, if not all of your secret, but you need to tell her. That is exactly, we are saying almost the same thing, but we are not understanding. So can you make me understand? Wow, I've said that's my business, my second business, woman, my wife, even my mom, don't know it. So you cannot know about it. She cannot know about it. If my mom is not able to know about it, how far about it? But you find it normal for you to search her own phone? It's normal. For you to search her own phone? Yeah. Why should you search her own phone? Don't she also have secrets that she doesn't want you to? What type of secret does she have that I will not know? What it's of business? Not the same thing that you're coming back to my point. So you see now that you hiding things from her is normal, but her hiding things from you is not normal. Why? I've not said that hiding from her. I said there are certain things she must not know about she it. She must not know, but you can search hers. Yes. If I have time with her, because I will not even have time. Wow. But what I'm saying is, it's not normal for her to put password in her phone. Okay, but my main subject here is not putting password. My subject is searching. Okay. Let me say, yeah, it's right for me to search her phone, but it's not right for her to search my phone. Okay, so what's your own contribution or opinion that you can give to people watching you and I? Opinion in searching her phone? Is it advisable for someone to search his or her partner's? No. First of all, phone is a privacy. Yeah, that's it's not advisable. So what makes it not advisable for you to search your partner's phone? I personally don't search my partner's phone. I don't even look at what he should do. Why? Just like that. Because there is this thing that is a crazy cardiac. I don't want to be chasing because I don't know. I don't, that,